cet ancien bunker militaire abrite depuis 25 ans les installations du plus vieil élevage biologique de France. Les barres, dorades et maigres sont acheminées directement depuis ces locaux. 300 à 400 tonnes de poissons bio par an. En magasin, le kilo coûte dans les 25 euros. Le poisson est expédié en Suisse, en Italie et dans le sud de la France. Est-ce que vous aimez les poissons, manger ou de regarder? Alors, le bon des poissons dont sommes familiers pour vous. Est-ce que vous sommes familier avec cette espèce? Alors, vous savez déjà qu'ils sont en voie d'extinction. Il est très important que nous agissions immédiatement avant qu'il soit trop tard. L'Angleterre est le pays où le poisson bandeau origine. Ils ont élevé en la côte sud de l'Angleterre. Tout cela a commencé en 1477. Bientôt, tout le monde en veut les poissons bandeau que soient allés au leur pays. Plus tard, l'Angleterre a importé les bandeaux à l'autre pays qui le veut. À la fin du 19e siècle, le poisson bandeau a commencé à décliner en nombre. Le poisson bandeau est un sujet controversiel. Il y a une autre espèce qui s'appelle le poisson blanc. La mer de Wadden en Danemark est l'endroit où l'on peut trouver le poisson blanc. Cette espèce est très similaire au poisson bandeau. Et il y a beaucoup de controverses. Est-ce que le poisson blanc a un visage, une partie des poissons bandeau espèce? Voici une interview avec un spécialiste de poissons qui parle de la baisse de la population en raison de beaucoup de pêche. Ces trois sites de production s'étendent sur 9 hectares et produisent 15 000 tonnes de saumon. Ils génèrent autant de déchets qu'une ville de 450 000 habitants. Il me semble qu'au-delà du gouvernement, c'est un problème qui concerne l'ensemble de la population du Chili. Le poisson bandeau est en voie d'extinction à cause de la pollution dans l'eau et pêche excessive. Et c'est là où c'est mieux que des chocs électriques ou des coups de massue pour les tuer, en fait. Parce que là, bon, il stresse par le froid. C'est le froid qui le fait bouger comme ça. Hein. Après, il souffre pas. Il faut que nous ayons arrêté de pollution dans l'eau. Quelques spécimens qui restent peut-être à trouver dans le musée de Natural History en Berne, Suisse. Il est très nécessaire que les grandes compagnies ne fassent pas pêcher dans les quantités grandes. Est-ce que vous voulez que vous ayez sauvé le poisson bandeau? Il n'est pas trop tard. Est-ce que nous pouvons garder des chètes dehors de notre eau et informe les pêcheurs de ne capturer pas cette espèce, les poissons bandeau pouvant être sauvés par nous.